Salut Porky, dis-moi, est-ce que Daffy est en place? Il doit présenter le sommaire, j'espère qu'il n'a pas oublié. Pas de Daffy à l'horizon, commandant. Impossible de lui faire confiance, puisque c'est comme ça, je prends les choses en main. Oh, c'est beau, chef. J'adore quand vous prenez des décisions. C'est une question de courage, Porky. Attention, j'y vais. Ce matin, Tom et Jerry nous embarquent dans une super aventure de Noël. Ensuite, il sera question d'un incroyable anneau magique. Après, je vous offre trois enquêtes de Titi et Gros Minet. Et pour finir, trop cool Scooby-Doo dans une plongée mystérieuse. Je m'en suis sorti comme un chef. C'est bizarre que Daffy ne soit toujours pas là. Ah oui, bizarre chef, c'est pas dans ses habitudes. Daffy? Coincé. Mais enfin, Porky, tu t'es assis sur Daffy. Je peux plus respirer. Excellent, ton gars, je suis plié en quatre. Maintenant, mon ça, il est devenu tout bio, de la tête aux pieds. Ouf, oh, vite, ouf. Il est vraiment pas doué, hein. On fait une petite pause pour qu'il se remette de ses émotions. Mais on revient tout de suite. Cette magnifique forêt, oh mais c'est l'endroit rêvé. Prépare-toi, Sylvestre. Il est temps de nous trouver un beau sapin de Noël. Sylvestre va aller nous en couper un. Et pourquoi ce serait pas Taz qui irait couper l'arbre? Parce que Taz, il coupe pas les arbres, il les mange, tout simplement. Bon, ça va, zonnez-vous, mais c'est bien parce que c'est Noël. Fiston Papounet va te rapporter un beau sapin. En route! Vas-y, mon Papounet, t'es le meilleur coupeur de sapins du monde! J'espère que Sylvestre va faire ça dans les règles de l'art. Fiston, il y a une tradition. Comme c'est toi le plus jeune, tu vas avoir l'honneur de choisir le sapin. Ah bah ça y est, c'est fait! Je veux celui-là! Bon, maintenant pousse-toi et laisse faire le spécialiste. Et ça va pas, non? Oh, mon Papounet, c'est vraiment trop un loser! Chaque année à Noël, c'est la même chose. Y en a marre de ces gars de la ville qui nous prennent pour des sapins. Pardon, désolé. On n'est pas des sapins, tu piges? Mais n'y vite, pour déconner la forêt aux fesses. Hey, c'est malin, on n'a toujours pas de sapin de Noël. Comment on va faire maintenant? Si tu me donnes 2 minutes et quelques outils, j'ai peut-être une solution. Junior, tu as carte blanche. Je compte sur toi pour sauver la situation. Oui, aïe, aïe, aïe. Et voilà, Bunny, 2 beaux arbres de Noël décorés. Génial. Y a pas de quoi. Bravo, Junior, mais quel talent. Tu as largement mérité un super dessin animé.